au Niger, qui se cache derrière l'arsenal de guerre saisi à destination de la Côte d'Ivoire. L'armée nigérienne a annoncé avoir saisi un important matériel de guerre et plusieurs documents américains lors d'un contrôle routier effectué en début de cette semaine dans l'ouest du pays, près de la frontière avec le Burkina Faso. Dans le secteur de Tera, au cours notamment des diverses opérations de routine, les forces de défense et de sécurité ont intercepté un camion suspect en partance vers la Côte d'Ivoire, à bord duquel était embarqué, dissimulé sous des vivres, un véritable arsenal de guerre, a rapporté notamment le bulletin des opérations hebdomadaires des forces armées nigériennes diffusé à la télévision publique. Les forces nigériennes ont-elles mis la main sur le maillon d'une chaîne? S'agit-il d'un réseau de trafic d'armes qui opère à l'échelle nationale ou alors sous-régionale? Ou tout simplement, avez-vous une autre grille de lecture au regard justement de ces documents américains saisis? De toutes les façons, nous, on en parle ce soir dans le cadre de cette émission du point sur l'actualité. Envoi des troupes françaises au sol en Ukraine, la Russie promet de neutraliser tous les soldats du président français, ou du moins que le président français prévoit de déployer du côté de Kiev. Interviewé par un média français, Pyotr Tolstoï, le vice-président de la Douma, l'équivalent de l'Assemblée nationale du côté de la Russie, n'a pas mâché ses mots. On s'en fout de son opinion, on s'en fout de ses limites, on s'en fout de Macron. Et on s'en fout de ce que dit Macron. A lâché le responsable russe, laissant entendre que 13 000 mercenaires étaient actuellement déployés du côté de l'Ukraine, dont 367 Français. Vous l'écouterez également dans le cadre de cette émission du Point sur l'actualité. Bonsoir à tous et bienvenue. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur les antennes de For You Media Africa pour ce nouveau rendez-vous honoré. Une fois de plus, nous sommes le vendredi 22 mars 2024 et nous nous intéressons de près, bien sûr, à cette opération menée en début de cette semaine par les forces de défense et de sécurité nigériennes qui ont saisi un important arsenal de guerre. On parle, bien sûr, d'un matériel de guerre avec des documents américains dans un camion et qui partait pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi cette destination précisément? Nous en parlerons dans le cadre de cette émission de Point sur l'actualité. En deuxième partie, nous reviendrons sur les propos du vice-président de la Douma, l'équivalent de l'Assemblée nationale du côté de la Russie. Il n'a pas été tendre. Il s'agit bien sûr de Pyotr Tolstoï. Il dit ne pas prendre en considération les propos du président français. Il a adopté un tout autre vocabulaire. Vous aurez d'ailleurs l'occasion de l'écouter dans le cadre de cette émission du Point sur l'actualité. Aux côtés de nos invités, Oko Sissi Baba Nicolas est avec nous ce soir. Bonsoir à vous, très cher monsieur, et bienvenue. Eh bien, bonsoir au peuple africain qui est la matrice de l'humanité. Bonsoir à cette équipe de vaillants combattants, aujourd'hui en quelle nous avons toute notre confiance, For You Media et son journaliste intrépide, le grand Baudelaire. Je tiens à saluer à côté de Baudelaire, j'ai su et j'ai vu l'ombre d'un monument que je te laisserai présenter tout à l'heure et naturellement nos abonnés. Je veux juste leur dire que je suis très heureux de faire partie des Africains qui adoptent ce soft power-là pour que l'Afrique puisse avoir toutes les chances de réécrire son histoire par sa propre main, par son propre bic et par son propre cahier. Merci de m'avoir invité, camarade. Oko Sissi Baba Nicolas, pour cette disponibilité ce vendredi soir. Eh bien, le monument dont vous parliez n'est autre que Patient Parfendom, qui est avec nous une fois de plus, le consultant permanent de cette émission du Point sur l'actualité. Bonsoir à vous, doyen, et bienvenue. Bonsoir, le grand Baudelaire Nguenin, le bonsoir. Prince de ma tombe. Bonsoir au célèbre Oko Sissi Baba Nicolas, qu'on ne présente plus. Je suis très ravi de partager une fois de plus ce plateau avec lui. Bonsoir à nos nombreux téléspectateurs, à nos millions de téléauditeurs, à tous nos taximen de la ville de Douala, qui me disent que vraiment ils sont tout le temps scotchés à cette belle aventure qu'est For You Media Africa.
la radio, les caresses, mais surtout les entretiens au quotidien sur les problématiques que traversent l'Afrique et le monde. Merci à nos techniciens et une fois de plus, merci pour cette invitation. Voilà, messieurs, le panel ainsi présenté, les thématiques déclinées, il ne nous reste plus qu'à répondre à la question. La première question de la thématique principale de ce soir. Qui se cache derrière cet arsenal de guerre saisi par les autorités nigériennes à destination d'Abidjan en Côte d'Ivoire? Eh bien, on va tout d'abord tenter d'avoir ce jet avec nos confrères de la télévision nationale nigérienne. Et juste après, messieurs, vous aurez l'occasion de réagir sur la thématique. Dans le cadre de l'opération Niya menée sur la rive droite du fleuve au matin du lundi 18 mars 2024, la vigilance de nos forces en poste à Bankilaré leur a permis d'interpeller un individu qui a tenté d'infiltrer leur dispositif de sécurité. Le même jour, dans le secteur de Tira, au cours des différentes opérations de contrôle de routine, les FDS ont également intercepté un camion suspect en partance vers la Côte d'Ivoire, à bord duquel était embarqué, dissimulé sous des vivres, un véritable arsenal de guerre. Après l'interpellation du chauffeur et du convoyeur, une fouille appliquée du camion a permis de saisir plus de 1140 munitions de calibre varié, 28 douilles de 7,62 mm, des projectiles, divers matériels militaires dont une carte du parc du W et des localités environnantes du sud-ouest du Niger, 5 jumelles, 2 casques de tir, 2 casques lourds, 43 lampes luminescentes, 2 kits d'entretien d'armes, 3 kits médicaux, un kit de déminage, une médaille portant les inscriptions Brigade criminelle, 36 quais des orfèvres Paris, 2 chargeurs de GPS, 3 gilets pare-balles, 4 ordinateurs portables, 3 drapeaux des USA, un globe terrestre, un passeport américain, un Motorola mini de 2 chargeurs, 4 téléphones portables, un permis de conduire américain, des cartes bancaires au nom de 2 individus de nationalité américaine et plusieurs autres équipements divers. Une enquête a été d'ores et déjà ouverte par les services compétents afin d'éclaircir la situation et de situer les responsabilités. Dans cette même zone d'opération, les multiples offensives conduites par les FDS contre les foyers terroristes dans cette partie du pays ont permis de réduire la capacité de nuisance de ces derniers. À l'épreuve des faits, les terroristes en perte de repères se livrent à des actions désespérées de sabotage des infrastructures d'utilité publique. En effet, au cours de la semaine, des terroristes ont lâchement détruit les aménagements de l'antenne émetteur-récepteur de la radio et télévision du Niger de Macolondi avant de s'attaquer aux installations de la Nigelec à travers la destruction de poteaux électriques. Un peu plus. Voilà donc pour cet élément qui plante le décor. Okossi Babanikolo, un véritable arsenal de guerre découvert donc par les forces de défense et de sécurité nigériennes. On parle de 1140 munitions, 28 douilles de projectiles, 5 jumelles, 2 casques de tir. Mais surtout la chose curieuse dans cette découverte, c'est surtout la présence de certains documents appartenant aux Américains. Des permis de conduire américains, des passeports américains. Et bien la question qu'on se pose d'entrée est celle de savoir qui, selon vous, pourrait éventuellement se cacher derrière cette opération, ou du moins derrière cet arsenal de guerre, et pourquoi la Côte d'Ivoire pour destination? Olo. Alors, désolé, est-ce que vous m'entendez? Allez-y, je pense que cette fois c'est bien bon. Le retour est, je pense, meilleur de notre côté. Ok. Est-ce que je peux avoir la question, s'il vous plaît, parce qu'il n'y avait pas de son tout à l'heure. Alors, je parlais justement de cette vaste opération menée en début de semaine par les forces de défense et de sécurité nigériennes. On parle bien sûr de cet arsenal de guerre saisi. Nous sommes revenus sur les munitions qui sont évoquées. 1140 au total, 28 douilles de projectiles, 5 jumelles, 2 casques de tir. La chose la plus surprenante justement dans cette opération, c'est la présence de certains documents appartenant bien sûr à
un personnel américain, on parle des permis de conduire américains ou encore des passeports américains. Mais la question qu'on se pose, ou du moins qu'on est tenté de se poser d'entrée au Cossi Babanicolo, est celle de savoir qui pourrait éventuellement se cacher derrière cet arsenal de guerre. Mais pourquoi surtout la destination Abidjan, en Côte d'Ivoire? Merci, camarade Baudelaire. Vous avez posé la question de la racine. Qui se cache derrière ce convoi? Lorsqu'on pose la question de savoir qui se cache derrière le convoi, ça amènerait tout enquêteur qui se respecte à chercher à comprendre d'où viennent ces armes. Les autres questions de la destination, une fois que c'est établi, qu'on sait que cet arsenal de guerre était bien répertorié ici, énormément cité, est en partance pour la Côte d'Ivoire, on peut simplement, par rapport à la géopolitique actuelle, par rapport à la posture de la CEDEAO et par rapport au Vatanguerre et du chef de guerre qui est Alassane Ouattara, comprendre que la Côte d'Ivoire est tout lui, est un allié pour la déstabilisation du Mali, du Burkina, du Niger, donc de l'AES. Je dis ça pour dire que la destination de cet arsenal de guerre n'est pas vraiment le problème, parce que ça ne surprend personne qu'on ne cite la Côte d'Ivoire. Puisque, officiellement, la Côte d'Ivoire a montré par A plus B, par Alassane Dramane Ouattara, qu'elle enverrait un bataillon pour aider à mater les Nigériens. La Côte d'Ivoire a contribué à tout ce qui est embargo contre les Nigériens. La Côte d'Ivoire a contribué à tout ce qui est embargo contre le développement et l'émancipation de l'AES. Donc, la destination n'est vraiment pas un problème, ce n'est pas une surprise. Alors, nous allons revenir à la question que vous posez. Qui est derrière cet arsenal de guerre? Pour ne pas dire d'où vient cet arsenal de guerre. On va aller par hypothèse. Tout récemment, nous avons été informés que la délicatesse, la maladresse des États-Unis a amené les forces vives au pouvoir actuellement au Niger, a demandé le départ de l'armée américaine. Or, rappelez-vous, lorsque les forces françaises ont été déguerpies du Niger, est-ce que la force avec le général Tchani au pouvoir a contrôlé les armes qu'ils détiennent? Je ne pense pas. Est-ce que le général Tchani et son équipe ont le droit de contrôler et de connaître le calibrage, pour ne pas dire la qualité, la quantité des armes? Je ne pense pas. Néanmoins, le contingent au pouvoir a escorté la sortie de ces armes. Vous allez comprendre pourquoi je le dis. Lorsqu'on escorte des soldats avec leurs armes, ils n'ont plus de jeu de manœuvrage. Ils ne peuvent plus trop manœuvrer pour dire on va les tomber deux bombes ici. On va laisser deux Kalachnikov, on va les donner deux à celui-là ou à celle-là. Ils ne peuvent plus. Donc, la surveillance étroite, non seulement de l'armée nigérienne, de la population nigérienne jusqu'à la sortie de l'armée française, peut donner des idées à l'armée américaine à qui on demande de dégager. Donc, pour cela, il faut au préalablement, c'est maintenant que je rentre dans les hypothèses, enlever l'équipement qui peut servir à nos alliés. Le terrorisme dans la zone de l'AES, que ce soit du Mali, du Burkina et du Niger, dans leur communication, nous avons compris que ce terrorisme-là était entretenu, était payé, était voulu par l'OTAN et ses ouailles, dont les États-Unis en tête. Pourquoi des armes de telle envergure traverseraient le Niger sans propriétaire? Il y a un propriétaire. Est-ce que ces armes-là viennent du camp des Américains? Allons dans l'hypothèse. Si oui, ces armes viennent du camp des Américains, pourquoi maintenant? Pour comprendre pourquoi maintenant, il faut seulement savoir dans quoi est-ce qu'on les a cachées. C'est bien dit ici, dissimulées dans un camion de vivres, c'est-à-dire dissimulées, c'est-à-dire qu'ils ont caché. Ils ne veulent pas qu'on les attrape. Donc, c'est un déplacement d'armes officieuses, une violation d'un territoire avec des armes pour remettre à qui? Et vers où on les a attrapés? Ils étaient presque sortis vers la frontière où on dit rive droite de fleuve, je ne sais quoi. Donc ces armes-là, dans la première hypothèse,
fonds mouvement vers la Côte d'Ivoire, soit pour le moment où les Américains vont sortir, l'accompagnement, ou bien, comment dire, l'escorte de l'armée nigérienne puisse les empêcher de faire leur manœuvrage, c'est-à-dire donner des armes à leurs camarades mercenaires. Parce que s'ils ne sortent pas ces armes maintenant et que c'est acté qu'ils doivent partir, l'armée nigérienne va les escorter. Les Nigériens seront gardiens de leur mouvement, comme ils l'ont fait à l'armée française. Donc, à ce moment, ils ne pourront plus sortir les armes pour donner à leurs camarades rebelles. Donc, il faut faire sortir ces armes rapidement pour que, quand ils vont partir, ça peut servir. Ça, vous voyez tout ce temps. Ça, ce n'est qu'une hypothèse. Hypothèse numéro 1. Hypothèse numéro 2. Pourquoi ces armes-là sont ciblées d'un camion qui va vers la Côte d'Ivoire? Quoi? C'est pour faire accuser le Niger. C'est pour que la Côte d'Ivoire accuse le Niger de vouloir déstabiliser son sol, parce que tout le monde connaît la situation dans laquelle se trouve la Côte d'Ivoire. Solo Guillaume, dans la zone de l'AES, à qui on pourrait toujours dire que Solo Guillaume veut déstabiliser la Côte d'Ivoire, comme le disent les officiels ivoiriens, vers, avec l'aide de l'AES, dont le Niger, parce que c'est là-bas qu'il a parlé, soit en Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire puisse créer un problème diplomatique pour dire que le Niger veut les attaquer et puis la chose allait commencer. Ça, c'est deuxième hypothèse. Et toi, me poser pour terminer. Ces armes qui vont en Côte d'Ivoire, est-ce que ce n'est pas pour aller réarmer d'autres terroristes? Puisqu'aujourd'hui, Ouattara a construit au nord de la Côte d'Ivoire des bâtiments, des bâtisses, sous prétexte qu'on reçoit les réfugiés burkinabés, alors qu'aujourd'hui, on sait que tous les burkinabés sont heureux d'être burkinabés. Aller réarmer des terroristes et demain, déstabiliser le Niger en passant par le Burkina. Donc pour moi, cet arsenal d'armes saisies devrait d'un même donner des informations. D'où ça vient? Qui est derrière, comme vous avez posé la question? Dès l'instant où on va trouver par enquête qui est le propriétaire de ces armes-là, le reste va venir naturellement. Parce que, en hypothèse 1, soit on fait sortir ces armes parce qu'on va sortir par escorte, il faut les sortir avant, soit on fait rentrer les armes en Côte d'Ivoire pour que demain la Côte d'Ivoire accuse le Niger de vouloir la déstabiliser, soit on va en Côte d'Ivoire pour réarmer des gens pour attaquer l'AES. Voilà un peu l'hypothèse que j'expose et voilà ce que je pense de cette première. Merci à vous, Oko Sessi, pour ce premier geste sur le sujet. Passons par Fendom, est-ce qu'il faudrait dissocier cette action posée par les forces de défense et de sécurité nigériennes du contexte qui prévoit actuellement du côté du Niger, avec notamment la dénonciation de ces accords de coopération militaire avec les États-Unis, parce qu'il est tout de même surprenant que dans ce que certains présentent aujourd'hui, certains observateurs ont eu à présenter jusqu'ici comme étant un réseau de trafic d'armes qui opère à l'échelle nationale, voire sous-régionale, qu'on retrouve des documents officiels appartenant à un personnel américain dans cette saisine en question. Des permis de conduire américains, des passeports américains. Du coup, ça nous ramène à la question de départ. Mais qui se cache derrière? Est-ce qu'il faudrait nécessairement dissocier cette saisine, bien sûr, du contexte géopolitique, voire géostratégique, qui prévaut actuellement du côté du Niger? D'abord, je remercie Oko Sessi pour l'effort qu'il fait d'essayer de nous présenter plusieurs cas de possibilités, oui, cas de figure de cette analyse. Et j'irai un peu dans son sens, en renforçant quand même peut-être davantage, en disant tout simplement que tout est possible. Il ne faut exclure aucune piste. Oui. Toutes les pistes sont plus ou moins possibles, d'autant plus que l'enquête n'a pas totalement abouti pour nous servir une version officielle oui, de la part du Niger et des services de police de ce pays-là. De la justice nigérienne, parce que c'est aussi un cas qui intéresse au premier point la justice nigérienne. D'abord, situant l'environnement, le Niger aujourd'hui, comme l'ensemble des pays de l'AES, et même un peu plus grand que ça, hors de cet espace, est une vaste zone de trafic. Toutes sortes de trafic. Il y a beaucoup de trafic qui s'opère aujourd'hui dans cette zone-là. Le trafic d'armes, le trafic de stupéfiants, le trafic d'hommes, le trafic d'organes humains, c'est une vaste zone de trafic. Ouais. Et elle a été pensée comme ça, entretenue comme ça, c'est ça le chaos. C'est ça le chaos organisé qui permet justement, qui permettait de justifier la présence de ces armées étrangères sur son sol. Donc on peut valablement penser que
Depuis d'ailleurs la déstabilisation de la Libye, il y a des flux incessants, n'est-ce pas, de trafiquants de tout ordre dans toute cette zone-là et qui vendent un peu, comment dire ça, leurs armes, ils ont des armes, les munitions, de la drogue. Oui. Quand on parle de drogue, vous ne voyez pas que les chanvres, mais il y a aussi des drogues de synthèse qui sont beaucoup consommées dans cette région-là et par les terroristes et par des jeunes voyous, etc., etc. Alors, maintenant, on peut valablement se poser la question. Moi, je vais commencer à tenter d'éliminer certaines pistes. Oui. Cette piste-là, même si elle est plausible, parce qu'en parfum d'homme, comme vous le dites, parce qu'il ne faut rien exclure, absolument rien, mais pourquoi ces trafiquants auraient sur eux des documents américains? Mais on peut voler ces documents. On peut voler ces documents pour justement les transférer à un agent opérationnel qui les utiliserait. Donc, on peut aussi. Il y a beaucoup de probabilités. Des passeports appartenant à. Oui, bien sûr, on trafique tout. On trafique les passeports, on trafique les cartes d'identité, on trafique les permis de conduire, etc. Vous avez, la dernière fois, quand j'ai lu ici les accords qui ont été signés entre Issoufou, quand Bazoum était, je crois, ministre des Affaires étrangères, et je constate en 2012, et les États-Unis. Sur ces accords de coopération militaire. Voilà, bizarre. Vous avez vu, par exemple, qu'on pouvait circuler sur cet espace-là. Sans contrôle, aucun. À partir du moment où on avait un document d'identité américain, on était exempté de tout contrôle. Voilà. Donc, je crois que vous comprenez, ça peut s'expliquer. Bon, moi, je veux commencer par procéder par élimination, comme je vous le dis. Vas-y. Pensez que ces armes, c'est dans le complot de M. Ouattara pour entretenir une rébellion au nord de Burkina pour attaquer depuis l'AES. Je crois que c'est grossier comme montage. Parce que si Ouattara veut le faire, il n'a pas besoin de faire venir des armes du Niger. De s'embarrasser de tous ces. Il fait monter des armes directement d'Abidjan jusque là où il veut. Et des armes de qualité pour pouvoir faire le coup. Oui. Bon, parce que ce que nous voyons là, bon, ce n'est pas ces armes-là qui peuvent déstabiliser quand même ces trois États, premièrement. Deuxièmement, la piste qu'on peut tester en disant que peut-être elle peut être valable, c'est que, bon, on peut être la filière Soro. Soro, peut-être qu'il a les éléments au nord de la Côte d'Ivoire et il essaie de les ravitailler avec ces armes-là et avec justement ce drapeau américain. Parce que là, je crois que ce chargement s'est fait avant que la décision du Niger ne tombe, n'est-ce pas, pour mettre fin à ces privilèges que dont bénéficiaient les Américains. Donc ça peut être la filière Soro aussi. Bon, si on s'imagine qu'il y a toujours le Vatanguer qui est prêt à procéder par une déstabilisation militaire, son rival, M. Ouattara, pourquoi pas? C'est une piste. Je la valide pas totalement, qu'il faudrait pas négliger, dis, oui, peut, selon vous. Voilà, on ne peut pas la négliger. Mais, d'un autre côté, on peut aussi valablement penser qu'il y a des groupes terroristes qu'on ne maîtrise pas totalement, qui ont besoin d'un renfort en armement. Peut-être ces groupes peuvent partir du nord de la Côte d'Ivoire pour aller opérer soit dans la zone des trois frontières, soit à la périphérie de la zone des trois frontières, et ils étaient en manque de matériel logistique. C'est vers ce groupe qu'on envoyait, n'est-ce pas, cet arsenal-là que nous avons vu, pour pouvoir être éminemment opérationnel. Je penserai beaucoup plus aussi pour cette hypothèse, parce qu'elle aura l'avantage de desserrer le taux aujourd'hui sur les groupes djihadistes qui sont un peu dans une situation un peu délicate au niveau de la zone des trois frontières. Si on crée un autre feu, un autre espace, n'est-ce pas, de confrontation, cela déplacerait forcément des troupes des trois pays qui sont dédiés à cette lutte-là pour aller essayer de régler le problème ailleurs et peut-être permettre que des donneurs d'ordre, des commandants assez importants qui se trouvent dans la zone des trois frontières trouvent un moyen pour se glisser dans cette grande bout de fond, comment dire ça, bout de fond là, pour pouvoir un peu disparaître et se retrouver en lieu sûr. Donc, pour moi, voilà en quelque sorte les hypothèses, mais c'est la question de la sécurité, c'est la question pour l'instant de la difficulté pour les pays en question de sécuriser totalement tous les trafics. Oui. Celui-ci a été arrêté, mais je suis convaincu que d'autres types de trafics comme ça sont en train d'être faits.
et que d'autres cargaisons de ce type sont certainement en train d'être acheminées vers des espaces qui ont été dédiés pour cela. Mais donc, cela montre également, ou du moins démontre également, qu'il y a un travail de fond qui est en train d'être fait du côté du Niger. Souvenez-vous qu'au mois de février déjà, on parlait de la découverte de deux caches d'armes en plein cœur de Niamey, des armes qui appartenaient à la force ECAP Sahel, en saisir un autre arsenal de guerre. Ça montre qu'il y a un véritable travail qui doit être fait à Niamey, parce que des saisines de ce genre, il y en aura forcément davantage. Mais je vous ai dit que nous sommes dans une zone qui est un peu dans l'œil du cyclone aujourd'hui, par rapport à tous ces trafics, par rapport à ces caches d'armes, à ces espèces de niches qu'on proteste très bien et qui vont servir, n'est-ce pas, de poste de ravitaillement pour des opérations bien précises de manière ponctuelle. Oui. Donc, on n'est pas étonné. Il y a des armes, ce sont des armes officielles qui appartenaient soit aux Américains, soit aux forces européennes, qui ont été certainement laissées en friche dans une base. Dans une villa. Voilà, dans une, en plein cœur de Niamey. C'est une base logistique pour eux et qui aurait dû servir le moment venu. Mais il y a d'autres types de trafic parce que quand on voit quand même la qualité de ces armes, vous voyez la différence entre les armes que vous voyez là et la première image que vous avez montrée. Elle a dit voilà, ça, on sent que ça, c'est du lourd, quoi. C'est du lourd, alors que là-bas, ce sont des petits fusils d'appoint, même comme je le vois quand même qu'il y a des mitrailleuses là, mais ce ne sont pas des armes modernes un peu avancées aujourd'hui pour faire la guerre. Ça, c'est pour essayer, n'est-ce pas, de temps en temps, dans des guérillas semi-urbaines, de déstabiliser la sécurité, les agents de sécurité, d'éliminer de manière dans un corps à corps presque rapproché des personnes. Donc je mets ça en réalité dans le grand banditisme, premièrement, deuxièmement, je mets ça dans le déficit sécuritaire qui n'est pas encore totalement affirmé, et troisièmement aussi, pourquoi pas, certaines personnes peuvent bien avoir envie de créer des espèces de petites rébellions par-ci et là. Tout ça, nous serons bien situé quand les enquêtes les premiers éléments d'enquête seront clairement menées, nous donnerons la quintessence de ce que ces enquêtes auront produit. Merci à vos patients. Parfait. Sissi Baba Nicolo, pourquoi excluez-vous la destination Abidjan? Dans votre première analyse, vous n'avez pas semblé intéressé de très près par cette destination aujourd'hui, alors que certains s'interrogent tout de même. Pourquoi sortir de cette façon-là et pourquoi la Côte d'Ivoire pour destination? Il y a Pavé qui m'a fait rire avec sa description de ses armes. Une guerre de proximité des armes archaïques. Alors, pourquoi j'ai banalisé un peu la destination de la Côte d'Ivoire? Je tiens aussi à dire que l'analyse de Parfait, comme nous sommes en thèse, est valable. Est valable. L'élimination déjà de dire que Ouattara aurait besoin de ses armes pour créer un KIS et revenir déstabiliser l'AES, c'est vrai. Parce que vu la qualité de ses armes, je ne pense pas qu'un monsieur sérieux qui a derrière lui l'OTAN voudrait se surcharger avec ce genre de traquenard là pour se salir les mains. Il a des armes là-bas, il y a tous ses alliés qui sont surpeuplés en Côte d'Ivoire, l'armée française, l'armée américaine, les Allemands, les Anglais, tous sont là-bas. Même quand ils sont venus attaquer le Mali avec ses mercenaires, vous voyez l'arsenal qu'ils avaient. Je pense qu'il est assez équipé pour engager une guerre. Mais bon, comme ce n'est pas officiel et comme la CDAO la débouter, il pourrait commencer par des petits kisses, mais je pense que l'analyse de Pompon est plus positive sur ce point, venant de Ouattara qui pourrait déstabiliser là-bas. Au-delà de ça, Parfait aussi a parlé de laurier du côté de Soro-Guillaume. En tout cas, moi, si c'est du côté de Soro-Guillaume, c'est une bonne chose. Moi, je salue ça. Parce que tout ce qui peut me permettre de faire partie à Sandra Ouattara, je salue ça. Si le Soro-Guillaume se met dans cette posture contre Ouattara, je salue ça. Mais ça serait quand même stupide, ça serait irréaliste pour Soro d'être hébergé officiellement à l'AES et de vouloir engager ce genre de combat-là avec ce genre d'armes pour ternir l'image et la qualité du combat de l'AES. Si Soro Guillaume veut faire un travail, je ne pense pas que ça sera à partir de ces pays-là. Et ça va un peu créer des problèmes diplomatiques, quand bien même, moi, Baba Nicolo, je m'en fous, que Ouattara passe, c'est ça qui m'intéresse. Donc, ce qu'il a dit de
ce qu'on pouvait lorier du côté de Soro. Si c'est une, si c'est avéré, bon, comme dans les projets, tant mieux. Mais je pense que Soro au Niger, vouloir déstabiliser la Côte d'Ivoire du Niger, c'est un peu aussi moitié. J'éliminerais aussi cette analyse-là comme celui de Ouattara qui voudrait attaquer. Bref, maintenant revenons à la question qui a été posée. Pourquoi voilà. J'ai banalisé la destination Côte d'Ivoire? Parce que ce n'est pas un secret de Polichinelle. Lorsque le Mali a décidé de prendre sa destination, sa destinée à main, celui qui s'est farouchement opposé et qui a mis des sanctions, c'est Ouattara. Pareil pour la Guinée, pareil pour le Burkina. Pour le Niger, on n'en parle pas officiellement. Il s'est braqué. Alors, quand vous voyez la situation du Sénégal aujourd'hui, avec une fêtière d'élection, quand vous voyez la situation du Tchad, avec le président Déby, qu'on entend ça et là, visiter la Russie, quand vous voyez la Guinée, où le président Doumbouya est en train de pêle-mêle essayer de stabiliser le niveau politique de son pays, il y a qui? Il y a le Mali, il y a le Niger, le Burkina et la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas parlé du Libéria, où on vient de sortir d'une élection où le nouveau président essaie de prendre ses pas. Vous n'avez pas parlé du Niger, pardon, du Nigeria non plus, qui est frère du Niger ou des partis politiques durs ou des hommes politiques solides qui sont à Oussa, protègent carrément leur pays d'origine. Donc, qui pouvait aujourd'hui répondre présent pour une déstabilisation officielle, c'est Ouattara. Donc, que des armes quittent le Niger en direction de la Côte d'Ivoire. En tout cas, moi, je serais surpris qu'on me dise que ces armes partaient vers la Guinée. Je serais surpris que les armes, on me dise que ces armes vont vers le Sénégal. Je ne serais peut-être pas surpris qu'on me dise que ça va vers le Tchad. Mais la Côte d'Ivoire, parce que officiellement, ce n'est un secret de personne que Ouattara veut casser la gueule, entre guillemets, à l'AES. Voilà pourquoi la destination de ces armes m'a amené avec des hypothèses tirant sur ce que soit on fait passer ces armes-là pour réarmer qui de terroristes qu'on a, soit on veut éviter que quand les Nigériens actionnent ce qu'ils ont actionné avec les Français, ils les ont escortés, hein, on se rappelle, parfait, tu te rappelles. Quand l'armée française devait partir, ils les ont escortés. Les populations nigériennes étaient témoins jusqu'à dehors. Mais ce genre d'armes-là, j'apprécie bien la description, le parfait de ces armes. Regardez bien, c'est les armes que les terroristes utilisent. Ce genre d'armes-là, c'est les armes que les terroristes utilisent pour aller terroriser les gens. C'est les mêmes armes archaïques, traditionnelles, c'est les mêmes armes. Un soldat normal de l'armée des États-Unis ne peut pas tirer ces armes-là. Mais ils ont besoin de ces armes pour se détourner des agressions entre peuples, pour dire non que c'est des terroristes et patati patata. Parce que s'ils donnent des armes sophistiquées, on saura l'origine de ces armes tout de suite. Est-ce qu'on se comprend? Tout à l'heure, on cherchait à savoir qui est derrière cet arsenal de guerre. Cet arsenal. Qui est derrière? Mais si on trouve des drapeaux, si on trouve des cas d'identité qu'on peut voler, on ne peut pas tout de suite tirer la sonnette pour dire oh, ça vient, c'est comme ça. Non, non, ça, comme Parfait l'a dit, et peut-être on peut le voler, on peut brûler les pistes avec, parce que ça, c'est comme un laissez-passer. Mais ces armes-là sont des armes qui sont la plupart utilisées par les terroristes. Donc, si on essaie de les faire sortir dans un camion où on les a dissimulés, c'est parce que, soit au moment opportun, quand l'armée nigérienne va escorter les États-Unis, ils ne pourront plus les enlever. Donc, il faut déjà aller les cacher quelque part pour que demain on puisse les redistribuer. Qui est le meilleur allié pour les recevoir? C'est la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi je ne suis pas surpris. Pourquoi ils le font maintenant? Parce que maintenant, c'est officiel que le Niger ne veut pas les voir. Tout à l'heure, Parfait a dit que cette cargaison pourrait même passer plusieurs fois. Et celui-là a été attrapé là, par la volonté de nos ancêtres. Mais si celui-là a été attrapé aujourd'hui, c'est officiel. Aujourd'hui, c'est officiel que le Niger a demandé aux Américains de partir. Donc, les armes qui se cachent pour donner aux terroristes, là, il faut les déplacer, les amener chez un allié. Et l'allié sûr s'appelle Alassane Ouattara. Voilà pourquoi je ne suis pas sûr. Et j'insiste sur l'hypothèse pour dire que cette arme, puisque Parfait a annulé une hypothèse, soit Ouattara va utiliser ça, faire des kystes là-bas, accuser le Niger et l'AES de vouloir le déstabiliser,
comme il a fait un jour en Côte d'Ivoire. Ouattara dit, les gens sont venus 5 machettes, 2 kalachnikov pour déstabiliser son régime. Et vous n'êtes pas informé, je vous informe. Le terroriste à la salle de Ouattara ne s'est pas gêné. Il dit qu'en d'autres, 5 voyous sur 2 motos avec 5 machettes et 3 kalachnikov voulaient déstabiliser toute la Côte d'Ivoire. Ça ne me surprend pas. Si 5 machettes, 2 kalachnikov peuvent déstabiliser la Côte d'Ivoire, cet arsenal-là peut être taxé d'un arsenal qui veut déstabiliser la Côte d'Ivoire, qui vient de l'AES. Et Ouattara peut servir ça dans leur jeu de communication pour accuser le Niger de vouloir déstabiliser. Pourquoi? Parce que ce groupe, ça, cette thèse-là, comme parfois la pas annulée, je le réitère. Et deuxième thèse que je vais garder, c'est de dire que si ça se déplace de la Côte d'Ivoire, c'est parce que la Côte d'Ivoire, qui est en train de construire pas mal de maisons dans les frontières du Burkina, peut se servir de ces armes-là pour attaquer soit le Burkina, soit les autres pays, quand bien même Ouattara officiellement ne le ferait pas. Parce que ces armes-là sont des armes qui sont utilisées par les terroristes. Et ces armes qui sont remises à des gens. Maintenant, l'autre hypothèse que je voulais ajouter pour finir. Oui. Ouais, aujourd'hui, le trafic d'armes, on vend les armes à qui? À des petits braqueurs, à des petits voleurs, à des coupeurs de route. Une personne lambda peut avoir son réseau de trafic d'armes, comme l'a dit parfois, je suis totalement d'accord avec lui, où il reçoit les armes et puis il voit en cachette. Voilà un peu pourquoi je ne suis pas surpris que la Côte d'Ivoire soit la destination. Parce que dans la sous-région, géopolitiquement parlant, avec la situation qui est en train de changer au Sénégal et partout, je ne pense pas que ces pays-là puissent accepter ce genre de trafic. Or, la Côte d'Ivoire est devenue un Far West. Même si on clame la paix, on clame la pacificité, la Côte d'Ivoire est un Far West où bientôt tout peut partir. Merci à vous. Pour sortir de ce sujet patient parfum d'homme, la piste Guillaume Soro, peut-être il faudrait également l'écarter, puisque vous avez décidé de procéder par élimination. Elle serait très peu plausible au regard justement du contexte avec Guillaume Soro qui est actuellement présent du côté du Niger. Mais on retient globalement de tous ces événements que la vigilance, plus que jamais, reste de mise au Niger aujourd'hui. Oui, non seulement au Niger, mais l'ensemble des pays de l'AES, parce qu'ils sont face à une confrontation asymétrique qui est très difficile. Et je ne sais même pas comment ils vont réussir à je pense qu'il faut qu'ils refondent un peu leur manière d'assurer une police de manière permanente pour avoir des remontées d'informations qui soient crédibles. Parce que vous voyez le mode opératoire qui a été utilisé, c'est-à-dire c'est un camion banal. Un camion banal, qui transporte des vivres, on le voit, mais un camion banal qui transporte des vivres. On demande qu'on essaie de dissimuler ces armes-là. Je dis que c'est un mode qui est souvent très efficace. Oui. Donc ça demande beaucoup d'informations, beaucoup de vigilance et vraiment une information très pointue. Et par exemple, avec les munitions que vous voyez, même dans des salles d'attaché, on peut dissimuler ces munitions et les faire passer tranquillement d'un coin à un autre. Donc, cela signifie que les forces de défense et de sécurité de ces pays doivent être extrêmement vigilants, mais surtout aussi monter en puissance en ce qui concerne la collecte du renseignement. Oui. Le renseignement sera très important parce que ça va être un renseignement humain. Ce n'est pas un renseignement qui se fait par la base des drones, c'est un renseignement humain. Donc il faut vraiment infiltrer toutes les zones sensibles, avoir des gens qui vous font des remontées d'informations qui sont assez importantes. Et en fonction de ça, quand vous frappez un coup comme ça, essayez de tout faire pour avoir pour la remontée, une traçabilité du transporteur à celui qui lui donne la marchandise, mettre la main sur tout ce monde-là jusqu'à arriver au niveau de l'ordonneur, celui qui a ordonné la transaction. Et ça, c'est très délicat parce que c'est souvent des cloisonnements. Oui. On cloisonne, celui qui transporte ne connaît même pas celui qui a donné la marchandise. C'est celui qui c'est pourquoi vous appelez à révolutionner Il faut revoir complètement le système de renseignement et d'information, surtout dans les zones qui paraissent les plus banales, comme ceux qui transportent des vivres comme ça, ceux qui transportent du poisson dans des barques. Il y a mille et une possibilités d'entretenir et
de valoriser ce type de trafic-là. Mais maintenant, je continue de dire, j'allais oublier, il y a aussi un élément, que ceci ne va pas me démentir, il y a aussi la question des deux eaux. Ces chasseurs traditionnels qui sont souvent utilisés pour justement commettre aussi de sales besognes. Ils peuvent aussi être demandeurs d'un type d'armement qui leur permet peut-être ce qu'ils ont est rouillé et demandé qu'on le ravitaille en armement parce que c'est des eaux, contrairement à ce qu'on peut penser. Et je sais que ce soit au Burkina, au Mali, je ne sais pas beaucoup au Niger, mais ces deux eaux sont quand même une filière assez importante et qui a des capacités de pouvoir déstabiliser des régions tout entières. Donc peut-être que c'est à destination de ces fameux deux eaux-là, qu'est-ce que j'en sais. Et je peux vous dire que dans une guerre asymétrique, c'est des petits escarmouches qui peuvent, de manière répétitive, avec un harcèlement continu, qui peuvent créer une situation sécuritaire assez préoccupante. Bon, de toute façon, laissons la justice et la police nigérienne continuer son enquête. On sera renseigné très, très rapidement prochainement. Et nous également, nous restons scotchés, bien sûr, aux premiers éléments d'enquête qui seront forcément rendus publics dans quelques jours par les forces de défense et de sécurité nigériennes. Messieurs, parlons de cette sortie, celle notamment du vice-président de la Douma, l'équivalent de l'Assemblée nationale russe. Mais ce dernier, il faut le dire, n'a pas été tendre vis-à-vis du président français et de son projet, celui d'envoyer des troupes au sol du côté de l'Ukraine. La Russie promet de neutraliser tous les soldats français déployés du côté de l'Ukraine. Interviewé par un média français, Piotr Tolstoï, le vice-président d'ailleurs de la Douma russe, n'a pas mâché ses mots. On s'en fout de son opinion, on s'en fout de ses limites, on s'en fout de Macron, on s'en fout de ce que dit Macron, a lâché le responsable russe, révélant au passage qu'actuellement du côté de l'Ukraine, on compte un peu plus de 13 000 mercenaires déployés, dont 367 Français. Écoutons-le tout d'abord. On va tuer tous les soldats français qui vont venir au sol ukrainien. Tous. On s'en fout de son opinion. Vous vous foutez de ce que dit Emmanuel Macron ? Exactement. Et quand il vous dit qu'il est prêt, éventuellement, à ne pas se fixer de limites ? On s'en fout de ses limites. On s'en fout de Macron, de ce qu'il dit Macron. On s'en fout de limites de Macron. Et on va tuer... La France reste une puissance nucléaire. Vous l'avez en tête. Tout à fait, avec 200 missiles. Et donc, on va tuer tous les soldats français qui vont venir au sol ukrainien. Tous. Parce qu'aujourd'hui, il y en a, durant le conflit en Ukraine, 13 000 mercenaires, dont 367 Français et dont 147 ont déjà tué. Donc il y en a 147 citoyens de la France qui ont été tués en Ukraine. Et on va tuer tout le monde. Vous inquiétez pas. Okossissi Baba Nicolo, première réaction sur ces propos de Piotr Tolstoï, le vice-président de la Douma russe, l'équivalent de l'Assemblée nationale. Mais il n'a pas été tendre, le vice-président de la Douma, au regard bien sûr du contexte géopolitique, voire géostratégique actuel. Lui qui revient justement sur les propos, ou du moins qui revenait sur les propos du président français, qui prévoit d'envoyer des soldats au sol du côté de l'Ukraine. Ces révélations qui sont données par les responsables russes, un peu plus de 13 000 mercenaires actuellement déployés du côté de l'Ukraine, dont 367 Français et 167 soldats français tués jusqu'ici. Okossissi Baba Nicolo. Cher Blair, vous voyez, comme je dis toujours, nous sommes des apprentis et nous sommes invités dans ce soft power qui... aidé par les réseaux sociaux, grâce à vous, grâce à des analystes comme vous et tous les autres, pour aider l'Afrique à faire la différence entre la phase où on prend les armes et la phase où on prépare la guerre. C'est plus utile de préparer la guerre que de prendre les armes. La communication fait partie d'une arme et l'arme la plus dangereuse dans une guerre. Pourquoi? Parce que même le moral du soldat
parle des mots, parle de comment est-ce que le leader galvanise ses soldats, comment est-ce qu'on communique, le déplacement sur le terrain, la préparation, tout se fait avec des mots. La guerre, c'est d'abord intimider l'autre. Quand nous étions plus jeunes, on regardait les films western où les Indiens arrivent, ils venaient avec du pancard. À les entendre crier, mais l'ennemi, il n'est pas prêt à fuir. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il dit que Piotr est celui-là qui est en offensive de communication contre le mensonge de tous les médias français. Sur toutes les plateformes sérieuses, quand ils ont besoin d'avoir des échanges sérieux, c'est Piotr Tolstoï qu'ils invitent. Parce qu'il n'a pas la langue dans la poche. Mmh. Sur les médias, il a tout déstabilisé, tout le mensonge de l'OTAN et de la France. C'est ce monsieur-là qui prend la parole aujourd'hui. Mais il ne prend pas la parole seulement pour se faire voir. Il prend la parole pour répondre. Il est en légitime défense de l'insulte, de l'arrogance, de la manipulation et du manque de respect d'un président contre son État. Tolstoï, ici, réagit en tant que patriote. Et d'abord, il faut comprendre, la Douma, qu'est-ce que c'est? Il faut que les gens sachent ce que c'est que la Douma. Ce n'est pas un analyste comme Baba Nicolo qui parle. Ce n'est pas un monsieur panafricain comme... parfait qui parle, mais c'est quelqu'un qui a une posture politique en Russie. La Douma, il faut savoir ce que c'est. On dit la Douma d'État, il y en a deux sortes. Ou simplement Douma. C'est la chambre basse de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, tandis que la chambre haute est le conseil de la Fédération. Pour les fédérations de Russie, on parle plus précisément de Douma. D'État ou les différenciés des Doumas régionales ou de la Douma impériale. Ça veut dire quoi? La Douma, c'est une sorte d'assemblée nationale de région. Donc, le monsieur est vice-président. Donc, ce n'est pas n'importe qui. C'est comme si aujourd'hui, on dit le vice-président du Cameroun parle. C'est pas n'importe qui. Est-ce qu'on peut prendre la parole de Parfait ou bien la parole de Baudelaire comparée à la parole du vice-président du Cameroun? C'est le Cameroun qui parle à travers le vice-président. Ça, il faut que l'on le comprenne. Donc, ce qu'il dit est une parole officielle. Quel que soit le média, et quel média l'interview, un média français. Et écoutez les questions que lui pose le journaliste. Mmh. Qu'est-ce qu'il pense? Donc il fera comme ça. Pourquoi il le dit? Et il est clair. Il dit, on s'en fout de Macron. C'est-à-dire, il répond de la même manière Macron a été disrespecté vis-à-vis de son peuple. Il répond à Macron, il ne parle pas de la France. Il dit Macron. Macron, on s'en fout de Macron, on s'en fout de ce qu'il parle, on va tuer ce soldat, on va faire ceci. Le monsieur est en train de faire une grande communication. Un, parce que la guerre, c'est aussi la communication. La guerre, c'est aussi sortir les muscles, c'est aussi le mot, le verbe. La guerre, il faut déstabiliser l'adversaire, c'est comme dans un combat de boxe. Quand les deux boxeurs arrivent, on les met là, ils se testent dans les yeux, avec beaucoup de choses. Ce que je pense de cette sortie magistrale de ce monsieur est une légitime défense face à un homme qui insulte son pays, qui insulte son peuple, face à un homme va en guerre qui dit vouloir déstabiliser la Russie, alors que Poutine tout récemment a répondu. Quand je vous dis que ce qu'il dit est officiel, ce n'est pas n'importe quel russe qui parle. On parle quand même du sous-chef de la Douma, qui est l'Assemblée nationale régionale là-bas. Poutine a dit quoi? Il a dit lui aussi que les soldats français partiront en cercueil. Oui, oui. Il a dit. Il dit l'armée que la France va envoyer là-bas, là, ils vont partir en cercueil. Et ici, Trump a bien précisé, il a envoyé un message clair à la France et à l'OTAN. Il a donné le nombre de soldats français là-bas. Il a donné le nombre de soldats qu'ils ont envoyés à l'Ukraine. Il a donné le nombre de l'arsenal de l'OTAN là-bas. Pour vous dire qu'ils sont renseignés et qu'ils ne feront pas de cadeaux. Il n'y aura pas de cartier. Donc, officiellement, le monde est informé qu'il y a une guerre froide entre la France et l'OTAN. Il y a une guerre froide entre l'État de la Russie et Emmanuel Macron qui se joue, comme le journaliste disait là,
le coq gaulois, ils seront déplumés s'ils s'amusent. Et le message, il est clair aujourd'hui, il passe dans tous les médias, les Français l'ont reçu. Déjà, ça grogne pour dire à Macron, attention, si tu veux faire ta guerre, tu prends Brigitte, vous allez faire votre guerre. Et mieux, pour finir, dans ce même documentaire, pardon, cette même partie, il a parlé de l'homosexualité. Je ne sais pas si vous avez suivi. Oui. L'interview dans son intégralité. Ah, d'accord. Le monsieur a créé le débat pour aller parler d'homosexualité. Il leur a dit que regardez qui est à la tête de la France. Regardez qui est à la tête de la France. Des homosexuels. Comment un État peut évoluer comme ça? Et le monsieur lui a demandé de savoir, mais est-ce qu'en Russie, les homosexuels sont menacés? Il a dit non. Tant que c'est leur vie privée, il n'y a pas de problème, ils sont protégés par l'État de Russie. Mais quand c'est pour faire la propagande, en ce moment-là, la Russie va assez vite. Donc, l'un dans l'autre, il y a une communication. Et vous savez que les médias français, que ce soit BFM TV, France 24, TV5 et tous les autres, Relais, Al Jazeera, CNN, sont des médias qui accompagnent l'OTAN dans sa déstabilisation du monde entier. Et Piotr Stoï l'a compris. C'est pour ça, comme il répond sur tous les médias, il a répondu à la valeur de l'indélicatesse du président français, à la valeur de la grande gueule française, il a répondu coup sur coup. Et ce n'est pas n'importe qui parle. C'est un homme qui est politique, qui a une place majeure dans le système de la Russie, qui a une place importante dans la communication de Poutine et qui a une place importante, respectable et un patriote aura. C'est ce que je viens de dire. Merci à vous, Okos, ici Baba Nicolo. Un peu ironique tout de même dans sa sortie. La France est une puissance nucléaire, oui, avec 200 missiles. Patient parfait, donc je vous ai vu sourire après cette réplique de Piotr Tolstoï. Alors, stratégie de communication, alors vous avez notre grille de lecture, puisqu'il revient avec des éléments frais du terrain. Un peu plus de 13 000 mercenaires déployés du côté de l'Ukraine, avec 367 soldats. Oui, il a des chiffres exacts sur le nombre de soldats mercenaires français déployés du côté de l'Ukraine, dont 167 ont déjà été tués. Patient parfait d'homme. Est-ce qu'on doit parler d'une stratégie de communication dans un contexte, ou du moins dans ce contexte précis, celui du côté de l'opération, du moins celui du côté de l'Ukraine? Ou alors avez-vous une autre grille de lecture pour mieux expliquer, ou du moins pour mieux tenter de comprendre justement la sortie du vice-président de la Douma? Écoutez, c'est un avertissement sans frais que Piotr Tolstoï est en train d'envoyer, n'est-ce pas, à l'opinion française. Pour ceux qui le connaissent et qui le suivent depuis un certain temps, comme c'est mon cas, d'abord, c'est un francophile pratiquement. C'est quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui aime la France, c'est quelqu'un qui regrette que cette situation l'empêche d'amener son enfant se balader au Louvre, parce que je crois qu'une de ses filles a fait ses études en France. Donc, il n'a pas de problème en termes de complexe culturel vis-à-vis de la France. Il regrette tout simplement que la situation actuelle avec les dirigeants français ait créé cette russophobie ambiante au niveau de l'établissement français et qui est vraiment dommageable pour les relations séculaires déjà entre la France et la Russie. Les gens l'oublient, mais historiquement, la Russie a eu à sauver la France plusieurs fois. De la honte, plusieurs fois de l'humiliation par les armées européennes. La Russie a volé au secours de la France plusieurs fois. La France est membre du Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui grâce, n'est-ce pas, à Staline. Parce que quand la France est en difficulté, c'est un des responsables communistes qui prend De Gaulle et qui l'amène à Moscou. Et Staline donne des ordres à Joukov, le grand général, le grand stratège militaire qui se retrouvait pour signer la reddition de l'Allemagne, et dit qu'il faudrait absolument que l'officier français soit présent au cours de cette cérémonie pour qu'elle signe aussi sa reddition. C'est pour ça que le maréchal Kettel a failli devenir fou ce jour-là en disant « Mais les Français, les gens qu'on a battus, ils font quoi là ?» etc. Alors, pour ceux qui écoutent Tolstoï depuis un certain temps, ils savent très pratiquement que quand Tolstoï dit quelque chose, elle arrive. À un moment donné, on nous avait fait la propagande, n'est-ce pas, des chars allemands, les léopards. Oh, les léopards arrivent sur le terrain. Vous allez voir ce que vous allez voir. Tolstoï avait rigolé à l'époque en disant, on va les brûler. On va brûler ces chars léopards et vous allez voir.
Après, c'était les canons César. Il dit, on va les brûler. Et à chaque fois, c'est fait. Et à chaque fois, c'est fait. Et là, quand il dit, on va neutraliser les soldats français. Mais tous ces soldats français déployés en Ukraine. Si Macron et l'état-major français s'entêtent à envoyer les troupes au sol, les Russes vont en faire une affaire personnelle. Ils vont les éliminer au maximum. Et ça va créer ce que ça va créer en France. Et j'ai dit à la France, il ne faut pas qu'elle compte sur l'Afrique cette fois-ci. Il faudra bien qu'elle soit capable de célébrer tout seule. Quand ils donnent ces éléments sur les groupes, les soldats de l'OTAN qui agissent sur false flag, comme on dit. C'est-à-dire 13 000 mercenaires déployés en Ukraine. Ils sont venus avec des couvertures différentes. Les autres, c'était les légions internationales, soi-disant. Là-dedans, tu avais une armada de mercenaires canadiens, brésiliens, colombiens, français, de vraiment tous ceux ramassés, britanniques, etc., etc., qui sont sur le terrain, qui se battent. Mais je peux vous assurer qu'ils sont en train d'être complètement laminés. D'autres, je crois que l'un est rentré dernièrement, un Anglais, il a été obligé de se suicider. Parce que ce qu'il a vécu là-bas, avec ses amis qui se sont transformés en hachoirs, en viande hachée, lui a laissé des souvenirs extrêmement sombres. Donc, ce que Macron tente de faire, c'est d'entraîner l'ensemble de l'OTAN, mais surtout de l'Europe, dans une confrontation avec la Russie. Pourquoi ? Parce qu'ils sont battus. Ils sont battus. Or, la défaite militaire des 27 pays, n'est-ce pas, occidentaux, sur le champ d'opération ukrainien, va enclencher le processus de la seconde défaite. Elle était plus lourde. C'est une défaite civilisationnelle. C'est pour ça que ce fameux journaliste a tout fait. Il a orienté beaucoup de questions. Quand vous regardez la globalité de l'interview, l'intégralité de la question des homosexuels. Est-ce que vous en voulez la France parce qu'ils ont enfin un premier ministre qui est ouvertement homosexuel? Est-ce que les homosexuels vous posent problème? Voilà le fond du problème de cette guerre que vous voyez là. Piotr Tolstoï, il est clair. S'ils le font en privé, c'est leur problème. Mais s'ils veulent en faire une propagande pour l'imposer à notre État, là, nous ne pourrons pas l'accepter. C'est ça le fond du problème. Parce que la défaite occidentale sur le champ des opérations militaires va enclencher le processus de leur défaite dans la prétention qu'ils ont, n'est-ce pas, à imposer l'homosexualité à l'ensemble de cet espace qu'on appelle aujourd'hui l'Europe. Et quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que les véritables capitaines de cette opération de domestication du monde par cette culture de caniveau qu'est l'homosexualité, dont un à la tête de l'État français aujourd'hui qu'on appelle M. Macron, ça se défaite totalement. Et lui, il a été programmé pour faire la promotion de cette affaire-là. C'est pour cela que Macron est à la tête de l'État français. Maintenant qu'il est dans son deuxième mandat, bon, ça ne merde même pas avec des considérations de couverture. Tu vois, là, il fonce. Il nomme Attal nomme son copain, ses journées, et le monde regarde ça, l'air totalement ébahi. Il tente de nous imposer la visite d'un représentant de la promotion de cette chose-là. Les homosexuels au Cameroun. Au Cameroun, il a fallu que nous sortons nos muscles pour dire si le gars vient ici, ça va être une affaire très grave pour qu'il recule. Donc, pour eux, ces gens-là, ils sont prêts à déclencher une guerre mondiale parce que c'est leur mode de vie, c'est leur mode de civilisation qui est mis en danger par la défaite programmée, n'est-ce pas, de leurs armées au niveau de l'Ukraine. Et pour cela, il faut déclencher l'étincelle qui va pousser l'ensemble des armées européennes sur des arguments fallacieux. C'est-à-dire que chaque jour, ils sortent un argument. L'un des arguments favorables aujourd'hui, c'est de dire, attention, la Russie ne va pas se limiter à l'Ukraine. Après l'Ukraine, ça va être la Pologne. Après la Pologne, ça va être les trois États baltes qu'on appelle les trois cochons, etc., etc. Pourquoi pas Paris? Donc, et là encore, vous avez écouté ce journaliste qui le dit. Donc, ça veut dire que vous pourrez bombarder Paris. Mais, donc c'est tellement vicieux, le type de question. L'orientation, en tout c'est cas. Pour essayer de pousser l'opinion à croire à la menace russe
Et que cette menace n'a pas pour finalité de se limiter uniquement au niveau de l'Ukraine, mais que son plan véritable, le plan caché, la Russie, c'est de rayer complètement l'Europe aujourd'hui de la carte. C'est pour cela qu'il faut, identifier Poutine et la Russie comme une véritable menace. Mais le fond du problème, je continue de dire, oui, j'insiste là-dedans, c'est la question de l'homosexualité. C'est la question de l'homosexualité. Et Macron, qui voulait, à travers cette guerre-là, profiter en espérant qu'ils allaient mettre la Russie à genoux, je rigole en pensant à M. Bruno Le Maire, il voulait justement, à travers cette guerre-là, dépecer la Russie et imposer cette chose-là pour que, effectivement, ce pourquoi il a été mis à la tête de l'État français, trouve une résonance acceptable pour ces maîtres qui ont tout fait et qui ont fait des briques de broc pour qu'il soit à la tête de cet État. Et je continue de dire que ce n'est pas encore fini. Moi, je crois, je sors par là en vous disant, ce n'est pas encore fini. Le monde libre, l'humanité doit faire extrêmement attention parce que ces gens-là sont décidés vraiment à nous imposer ces choses-là avec les conséquences que cela peut entraîner, d'une guerre nucléaire avec les drames que cela peut enclencher pour la suite de l'humanité. Merci à vous, patient parfait d'homme, au côté de Baba Nicolo. Ça a également été un plaisir de vous avoir une fois de plus dans le cadre de cette émission du Point sur l'actualité. Merci à vous. Alors, merci. C'est toujours un plaisir de co-débattre avec le grand parfait. Voilà. Et pour sortir, je voulais dire effectivement que la guerre... le point qu'il vient de présenter comme étant une guerre idéologique aussi concernant le nouveau monde est vrai. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, vous m'avez remarqué, tous les pays qui sont restés eux-mêmes, qui sont restés authentiques, sont forcément des alliés à la Russie. Regardez la Corée du Nord, regardez la Chine, regardez l'Inde, regardez l'Afrique du Sud, regardez les BRICS, regardez les valeurs qu'ils présentent, et puis regardez l'OTAN. Quand vous comparez ces deux entités-là, au-delà de la crise géopolitique, qui passe entre les forces armées des pays, il y a aussi des idéologies qui sont différentes. Et quand tu poses le problème, vous allez comprendre que cette dénazification de l'Ukraine est aussi un alibi, mais derrière ça, il y a beaucoup de choses qui se cachent, comme l'a dit Piotr Stoï, et aujourd'hui, comme le dit mon camarade, parfait, que je salue. Merci à vous de m'avoir invité, à ma modeste personne, et naturellement, je salue tous les abonnés, Foyou Média et aussi tous les Marocains. Je vais demander de rester focus, la Côte d'Ivoire, qui est notre pays, est en train de faire mains et pieds pour que nous puissions accompagner l'AES et puis nous de faire d'assemblement national, quelle que soit la manière que les assemblements mettent. Okosisi Baba Nicolo, merci également à vous, patient parfait Ndom. Merci à nos nombreux téléspectateurs, auditeurs, pour ceux qui nous prennent en relais sur la 96.3 FM. Merci à nos nombreux téléauditeurs sur nos différentes plateformes numériques, à la grande équipe, la réalisation, toutes nos excuses, les appels, ça sera pour très très bientôt. Maintenant, bien sûr, la résolution de ce problème lié à la connexion Internet, mais de toutes les façons, c'est un problème général. Donc, une fois de plus, on espère avoir fait le plus dur, le nécessaire pour cette semaine patient parfum d'homme. C'était donc tout pour cette édition de Point sur l'actualité, la dernière émission de cette semaine.